1961, c'est une date très importante pour moi parce que, si vous voulez, en famille, on avait déjà une pizzeria qui a été créée par mon père et ma mère. En 1961, ils ont ouvert la pizzeria le 1er janvier 61. Et moi, je suis né le 3 janvier 61 dans la pizzeria. Je suis né sur la table de la cuisine. Je suis tombé dedans tout petit. On aurait voulu m'appeler Obélix, mais on ne pouvait pas parce qu'on était en Italie. C'était ma destinée. Je gardais un souvenir quand mon père rentrait avec une pizza qui avait souvent des anchois, des capres, de la tomate, des olives. Je sentais ses arômes. Champion du monde de pizza, on le devient par un travail très recherché sur le petit détail qui se fait sur la qualité de la farine, évidemment, la maturation, la cuisson, la recherche d'ingrédients de très bonne qualité. Le savoir-faire du pizzaïolo repose sur la connaissance avant tout. Hein, comme tout métier qui se respecte, il faut connaître les produits de base, il faut connaître la façon de les transformer, la transformation, la maturation de la pâte, savoir si on utilise une eau qui est plus dure, moins dure, une farine qui est plus forte, moins forte, comment assembler tous les ingrédients, les temps d'empattement, etc., etc. C'est un vrai métier, donc il faut beaucoup de respect pour le métier de pizzaïolo qui aujourd'hui est devenu un vrai métier de savoir. En arrivant en France, je me suis rendu compte que pour faire de la pizza, il suffisait d'ouvrir une pizzeria et puis chacun faisait ce qu'il plus ou moins pensait être bon. De là, on s'est dit, bon, il y a quelque chose à faire, il faut enseigner aux futurs pizzaïolos le vrai métier de base. Parce que tout le monde sait assembler de l'eau, de la farine, du sel, de l'huile d'olive, de la levure. Tout le monde peut le faire, mais de là à faire une bonne pizza, travailler sur la chimie et sur la physique, il faut, comme je disais avant, un vrai savoir-faire. On a une école, on a monté une école qui nous permet de transmettre à nos franchisés le vrai métier du pizzaïolo pour qu'ils puissent être autonomes dans leur pizzeria. Choisir les farines de base d'excellente qualité, il ne faut pas de conservateurs, il ne faut pas des farines qui durent une éternité parce que ça veut dire qu'il y a de l'industrie là-dedans. Trouver des bons produits de base comme des coulis de tomates, de la mozzarella de première qualité et ensuite assembler tous les ingrédients pour que la pizza soit un plat tout à fait noble. Notre ambition dans l'évolution de nos pizzerias, c'est de vraiment développer une franchise avec cette connotation d'artisanat qui est très importante, de ne pas faire de l'assemblage de produits déjà prêts, surgelés ou sous vide, etc., etc. C'est un vrai travail, il y a une vraie formation derrière pour enseigner le métier de pizzaïolo. Donc chaque franchise, chaque franchisé fait la pâte sur place, devient un vrai artisan. Donc ça c'est vraiment fondamental, on ne veut pas faire penser aux clients que la pizza c'est du fast-food mal fait et de la malbouffe. Si c'est bien fait, c'est excellent même pour la santé. Pour en arriver là, on est parti de rien avec une petite pizzeria qui faisait à peine 30 mètres carrés et on a travaillé tous les jours de l'année, il n'y avait pas de dimanche, de Noël, de Pâques, on a travaillé dur pour avoir un résultat aujourd'hui qui est quand même assez satisfaisant et très sympathique. Nos franchisés, je pense qu'ils adhèrent à tout ce travail qu'il y a eu derrière, ils l'ont compris et aujourd'hui ils sont passionnés par cette aventure. La convivialité, c'est fondamental. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. Les gens, quand ils viennent rendre visite à nos pizzerias, ils sont en principe bien accueillis et il faut qu'ils passent un bon moment, un moment agréable. C'est-à-dire que quand on reçoit un client, c'est comme recevoir des amis qui viennent manger à la maison. Voilà, c'est la même chose. Pour nous, c'est la convivialité est fondamentale. Alors j'ai découvert la pizzeria Mongeli il y a maintenant 18 ans, sur Toulouse, à l'époque où Pinin Mongeli était installé dans sa petite pizzeria sur Blagnac. Et j'étais un client très régulier puisque je suis vraiment tombé complètement amoureux
des pizzas et surtout des liens d'amitié se sont tissés avec la famille Mongeli. Et ensuite, on a décidé de devenir franchisé sur la région de Montpellier. Ce qui me plaît dans les pizzerias Mongeli, c'est qu'il y a un concept. Ce qui fait la différence, c'est vraiment la simplicité des produits, les produits bio qui sont choisis. C'est découvrir toutes les saveurs, la véritable saveur de chaque produit utilisé. Tous les matins, on se lève, on est content de venir travailler. On a su à la fois sélectionner un endroit qui correspondait complètement à ce que nous recherchions et qui correspondait aux valeurs que véhiculait donc la franchise Image Mongeli. Et on a une équipe aussi qui nous correspond, ce qui fait que quand on vient de travailler ici, c'est dans la bonne humeur. Le fait de rentrer dans un réseau et de rejoindre la franchise Mongeli, c'est quand même aussi une sécurité parce qu'on est quand même accompagné. Il y a un cahier des charges à suivre, le concept est très bien rodé, on sait comment faire des produits et des pizzas de qualité. Et c'est ce qui aussi nous a rassurés en tant qu'entrepreneurs de ne pas se lancer dans une start-up tout seul. Et cet accompagnement que nous avons au quotidien est vraiment nécessaire et c'est aussi pour ça que les pizzerias Mongeli fonctionnent bien. Rentrer chez les Mongeli, c'est rentrer dans une famille, dans une grande famille. Nous, on a commencé en fait directement à être formés à la maison mère qui se trouve sur Blagnac. On est passé par toutes les étapes et toutes les émotions, c'est-à-dire qu'on est passé à la fois de la plonge avec toute l'équipe derrière à nettoyer les verres, nettoyer les assiettes, préparer, faire les finitions pizza. On a été aussi au contact des clients pour un petit peu voir la manière dont il fallait réagir dans certains cas, puisque c'est pas forcément toujours évident, il faut savoir s'adapter à différents types de clients. Et c'est quand même très important aussi pour avoir un contact et que le client se sente privilégié quand il vient manger dans un établissement Mongeli. Et puis bien entendu, derrière, on a eu la formation sur comment faire la pâte à pizza Mongeli, que ce soit préparer la farine, faire la pâte et produire aussi des pizzas, c'est-à-dire garnir les pizzas, les enfourner, comment on gère le four et que l'on puisse nous-mêmes, sans l'aide de la tête de réseau Mongeli, pouvoir quand même être autonome et faire nous-mêmes nos propres pizzas en respectant le cahier des charges Mongeli. Alors la tête de réseau nous accompagne au quotidien par des choses très simples, donc on est quotidiennement en contact avec eux, que ce soit par mail, on reçoit des mails, avec des newsletters, la franchise a mis en place la Gazzetta qui nous permet aussi de savoir ce qui se passe dans les autres restaurants franchisés Mongeli, les choses qui sont bien, les choses à améliorer aussi en parallèle, donc ça nous permet aussi nous, en tant que franchisés, de se confronter aux autres, parce que c'est ça aussi qui est intéressant d'être dans un réseau, c'est s'inspirer de ce qui a été fait, toutes les choses qui ont été bien faites dans une autre pizzeria et essayer de les reproduire ici également. Et on est accompagné aussi par des visites de façon mensuelle où on a la personne, donc l'animateur de franchise qui vient nous rendre visite pour voir nos problématiques, qu'est-ce qui se passe bien, qu'est-ce qui se passe moins bien, comment on peut les améliorer et quels sont les axes de développement qu'on peut mettre en place pour ensuite travailler du mieux qu'on peut. On souhaite développer la franchise Mongeli sur la région Montpellier-Rennes. Donc on espère pouvoir ouvrir notre deuxième restaurant dès l'année prochaine puisque le démarrage du premier a été est pour l'instant très satisfaisant et on espère par la suite pouvoir développer et faire connaître aux Montpelliérains et les régions montpelliéraines les pizzas Mongeli. Pizza de parole est notre slogan, ça veut dire que on fait ce qu'on dit. Quand on dit qu'on va chercher des farines chez des agriculteurs qui travaillent encore à l'ancienne avec des blés et des céréales qui ne sont pas OGM, qui ne sont pas traités, il faut le faire. La pizza de parole, ça veut dire faire ce qu'on a dit. Donc le client, il doit être en pleine confiance. S'y retrouver dans l'assiette, il mange quelque chose qui est bon pour la santé. Et entre pizza et parole, je suis plutôt parole. Pizza. Alors moi je suis plutôt pizza, la pizza est mon plat préféré et pour moi la pizza Mongeli, il n'y en a aucune autre pizza que j'ai goûtée dans toute ma vie qui arrive à égaler le niveau de qualité de celle de Mongeli. Et moi je suis plutôt parole parce que j'aime ce contact avec les clients et j'aime entretenir une relation privilégiée avec eux.